le bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment transférer de l'argent de mon Exchanger, donc ici c'est le compte Binance, vers Mainnet. Alors comment procéder pour acheter votre licence et envoyer de l'argent directement de votre compte principal Binance à Mainnet? Alors, on va aller sur le dashboard de Mainnet. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir combien on doit déposer sur Deposit. On doit acheter donc de l'USDT TRC20 et donc pour une licence de 50$. On va mettre 50$, ce qui va vous demander 62$ avec les frais. Donc, on va partir maintenant sur notre compte de Binance. Voilà, une fois que vous êtes sur votre compte de Binance, vous avez des euros, peut-être en fiat, qu'il va falloir transformer en BTC, donc en Bitcoin ou autre. Comme là, on avait dit, on va prendre, comme ici, de l'USDT TRC20. Donc, on va les convertir. On attend, on convertit donc les euros, on a dit 63. On va les mettre bien sûr en USDT. SDT. Hop, on y va. On met le chiffre 63. On aperçoit la conversion, ce qui va vous faire 66. Hop, on fait convertir. Et dans la théorie, on devrait être bon. Succès, voilà. Donc maintenant, on a transformer nos fiat en USDT. Ok. Alors, donc maintenant, on va retourner, bien sûr, dans notre dépôt de Mainnet. Comme on a vu, donc, USDT TRC20, 50, ça fait 62. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller transférer, donc, confirmer. On confirme. Alors voilà, donc la confirmation est arrivée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bien, on va prendre cette adresse, donc USDT TRC20. Donc cette adresse-là, alors bien vérifier, TUU, en commencement, jusqu'à la fin, les 4H. On va copier cette adresse et on va retourner ici. Donc là, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans Portefeuille. On va dans Portefeuille Spot. Une fois qu'on est sur Portefeuille Spot, on va aller sur Retrait. Donc, crypto, bien sûr, en USDT. L'adresse, eh ben, on ne va pas se tromper, l'utilisateur de l'adresse Binance. Donc, on va entrer l'adresse qu'on a fait tout à l'heure. TUU et avec E4H. Sélectionner le réseau, donc on a dit qu'il fallait du tronc, alors pas se tromper, TRC20, donc ici, voilà, le montant qu'on va mettre, alors on vérifie bien le montant de 62 plus 1 euro, donc 63, on va mettre ici 63, vous voyez, donc 62, puisqu'on a mis 63 plus les 1 de frais, donc on revérifie bien l'adresse ici, TUU E4H, on est bien là, TUU E4H, puisque là c'est l'adresse qui va arriver sur notre retrait pour aller, voilà, donc il va nous confirmer, bien sûr il va demander les certifications, voilà, donc je vais demander le code, obtenir le code et on va attendre, ça va arriver sur ma boîte mail. Voilà, donc après vérification, j'ai reçu mon code de vérification par email et mon code par téléphone. Donc je renvoie envoyé et dans la théorie, voilà, demande de rentrée qui était envoyée et je vais recevoir un email, voilà, en attente de validation. Je vais recevoir un email dans ma boîte mail comme quoi que j'ai bien envoyé. Donc, on va attendre. Maintenant, on va partir sur son dashboard. On retourne
sur ce dashboard directement de Mainnet et on attend la deposit valet. Là, il va se retrouver avec les 50$. Donc, on va attendre un petit peu. Il faudra attendre entre 2 à 5 minutes. Et ensuite, vous allez apercevoir, donc de temps en temps, bien sûr, de faire un rafraîchissement pour voir si le dépôt a été fait. Et on attend. Et on se dit à tout de suite. Et bien, voilà, mes amis. Donc, le dépôt est fait. Comme vous pouvez voir, le dépôt de 60$ a été fait. Donc, il est viré donc, sur Mainnet. Et bien, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien, on va acheter la licence. Et vous verrez, donc... ici, on aura l'active passion de cette licence. Le robot qui est là va se mettre automatiquement en activité et il va commencer à travailler dès ce soir pour demain. Et demain, il y aura des revenus qui vont rentrer. Alors, on achète tout de suite la licence. On va sur licence pour acheter la licence. On a dit qu'on achetait une licence à 50$. Donc, il va nous dire, voilà, vous avez 50 plus les 10 qu'on a dit tout à l'heure. On confirme. Ça travaille. Et une fois que c'est OK, alors ne vous inquiétez pas, il y a toujours un message en rouge qui va apparaître. Et voilà, la licence a été achetée. Vous avez donc bien la licence qui est active ici. Elle va démarrer dès ce soir. Là, on a bien sûr le robot qui est passé en vert. Et puis voilà, donc bienvenue à cette personne qui a acheté sa licence et qui a rejoint notre équipe. Donc bienvenue Cassiope 26 pour ton arrivée dans la grande famille Mainnet et au plaisir, on va avancer ensemble dans de bonnes conditions. Alors moi je vous dis à bientôt et au plaisir, j'espère que ce petit tuto vidéo vous aura fait la façon de pouvoir enregistrer vous-même vos propres licences. Moi je vous dis, n'oubliez pas d'aller liker votre like, votre intéressement. Alors, donc, merci à cette inscription. Maintenant, vous pourrez aller sous cette vidéo. Il y aura le lien et les explications pour un rendez-vous avec moi. Aussi pour aller vers la personne qui vous a présenté Mainnet. Là, dans ce cas-là, c'est moi. Donc, n'hésitez pas. Prenez rendez-vous avec moi. Un rendez-vous 30 minutes, vous le faire gratuitement. Il n'y a pas de souci. Je vous explique tout ça en live. Alors aussi, n'oubliez pas votre like, de vous inscrire et la petite cloche pour les notifications. Et moi, je vous dis ciao, ciao, bye les amis, à bientôt.